Mais c'est con parce que si jamais je veux essayer tank finalement, j'aurais quand même dû co j'aurais dû commencer par autre chose. Parce que là je fais finalement je fais DPS, mais si je veux jouer tank, faudra d'abord que je fasse une de ces classes de mort. Hey maman, merci maman pour le resub. Merci numéro 2 pour le sub. Re. Bienvenue. Quel plaisir. Ah, je suis bien. Je suis bien défoncé de la gorge. Bon, alors attendez, là, visiblement, je me fais arnaquer parce qu'on m'a dit que c'était tout de suite là, sauf qu'on va se taper 3 quarts d'heure de cutscene, c'est ça? Ah, j'ai bien cru que j'allais avoir des ennuis! S'il y a une chose à redire tout ça, c'est qu'il faut tourner ses logs cette fois dans sa bouche avant d'aller bavarder à droite à gauche! Ah, je l'aime pas, ta tarure. J'ai intérêt à faire profil bas quelque temps, moi! Bref! Vous voulez des informations sur les allocutions des grandes compagnies, je me trompe? Il y aura d'une part celle de l'amiral Merlin. De l'IMSA le MINSA, qui aura lieu dans la salle d'état-major du pont de l'amiral à l'entrepont. Une fois en ville, parlez à Zentel pour prendre l'ascenseur qui permet d'accéder à la salle d'état-major. D'autre part, Ken et Senna, l'oracle de Gridania qui dirige aussi l'ordre des deux vipères, fera son discours à l'amphithéâtre de Miketo, dans la vieille ville. Enfin, il y a l'intervention du général Robin Aldine, qui sera accompagné d'une invité spéciale selon la rumeur. Pour résister, vous devrez vous rendre à la promenade royale du district poétique d'Ulda. Nous avons prévenu les trois cités de votre visite, vous n'avez plus qu'à commencer par celle que vous voulez. Quand on commence à être célèbre, c'est moins facile de se balader en toute discrétion, n'est-ce pas? Faites attention à vous! Eh merde! Bon bah ouais, on va faire Ulda en premier, hein. Oui, non, mais l'amphithéâtre de ses morts, d'accord, mais j'ai pas allé faire dans l'ordre. Là, y a bien aussi. Je vais pas m'énerver. Ok, elle est top des hauts. Le hall de la loi. La loi, c'est moi. Regardez, c'est la sultane! Le seigneur Roban est avec elle! Je m'adresse aujourd'hui à toutes celles et ceux dont l'âme est aussi ardente que le soleil qui frappe dans le désert. Ouah! Roban! D'un désert aride et inhospitalier par nature, Ulda a su se transformer en une plaque tournante du commerce éorzéen. Sous le règne de la dynastie Ul, et grâce à la bénédiction de Naltal, cette petite oasis au milieu du désert est devenue une cité d'or.
Regardez la bannière des immortels, derrière le général Roban. L'emblème doré au milieu représente une balance. Le joyau à gauche évoque la richesse, tandis que la flamme à droite symbolise la puissance. Cette prospérité a permis la création de richesses sans précédent. Lors de la bataille de Cartenau, il y a 5 ans, vos contributions volontaires à l'effort de guerre nous ont permis de François Asselineau, quoi. De l'Alliance Éorzéenne. Et grâce à vous, nous avons pu anéantir la 7e Légion de l'Armée Impériale. C'est vrai ! Bien à dit ! À l'entendre, on croirait que c'est lui qui a sauvé Éorzéa. Aurait-il oublié à qui il doit son salut ? Chez ! Hélas, cette victoire s'est faite au prix de lourdes pertes. Je prie pour que les âmes de nos frères et sœurs soient parvenues jusqu'à Naltal et qu'ils mènent une vie heureuse dans l'au-delà. Oui, le résultat de cette bataille laisse un goût amer. Le fléau a non seulement ravagé nos terres, mais il a également dévasté nos cœurs. La cupidité ronge plus que jamais notre société, et seul l'individualisme prévaut. Les réfugiés s'entassent aux portes de la ville, et la misère est omniprésente. Pourquoi les privilégiés ne font rien pour remédier à ce problème ? Pourquoi personne ne bouge le petit doigt pour aider ces malheureux ? Croyez-vous que celles et ceux qui sont tombés à Cartenau seraient fiers de voir l'Ulda d'aujourd'hui ? Ces personnes se sont sacrifiées pour leur patrie. Pourriez-vous leur dire avec conviction que vous avez contribué à rétablir la paix dans le pays ? Ouvrez les yeux ! L'ennemi tout autour de nous ! Les Amalja menacent continuellement les routes commerciales, l'élément vital de notre cité ! Pendant ce temps, les Garlemaldais empiètent sur notre domaine, dépouillant nos terres de ses ressources naturelles. Il faut être naïf pour se croire en sécurité. Je conçois que l'on puisse être divisé sur les questions politiques et économiques. Mais que l'on soit monétariste ou sultaniste, nous voulons tous la prospérité de notre pays. Cette crise que nous traversons est à la fois une chance de victoire et une opportunité commerciale. Je m'adresse à tous ceux en quête de richesse, à tous les soldats en quête de gloire, à tous les marchands, à tous les artisans, à tous les aventuriers. Ne vous contentez pas d'un profit à court terme. Focalisez-vous sur votre nation, sur notre monde. Rassemblons-nous auprès de sa grâce Nanamo Ulnamo. Les immortels sont là pour vous protéger. Oubliez un instant vos intérêts personnels et soutenez votre grande compagnie. Ah bah non. Il a parlé de richesse, alors il a eu mon attention pendant quelques instants, mais là il dit d'oublier vos intérêts personnels. Alors là pour Podrick Balkany, c'est le néant. Zéro. N'oubliez pas. Ce qui profite à Éorzéa profite à Ulda, et ce qui profite à Ulda profite aux Uldiens. Ouais, tu peux compter sur moi. Moi aussi, je vais vous aider. Aidez-vous. Ma reine. Merci. Nous n'aurons qu'une chose à dire. La richesse de notre pays ne repose pas sur nos ressources minières ou pécuniaires. Notre véritable trésor, c'est vous, citoyens d'Ulda. Votre savoir, votre courage, votre générosité et votre sourire sont ce que nous avons de plus précieux. Mes chers compatriotes, rejoignez-nous et aidez-nous à mener Éorzéa à la prospérité. Gloire à son Altesse! Vive la reine! Ensemble, nous vaincrons! Pour sa grâce, Nanamo Ulnamo! Pour la gloire d'Ulda! Oh là là! Tout
toutes le ces Seigneur caisses. Le Seigneur Robin sait comment plaire au fil. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alfino. Ah, François Asselineau et Alizée. Et voici ma sœur, Alizée. Nous voyageons dans les grandes cités-états pour assister aux cérémonies de commémoration en l'honneur des morts de la bataille de Carthenau. Nous écoutons avec grand intérêt les allocutions des chefs des grandes compagnies. Ils ont tous une vision très enrichissante des événements passés. Je préfère ta sœur, elle ouvre moins sa gueule. Ok. Très bien, très bien. J'ai bien compris, Asselineau. T'as envie de partager ton savoir. Ok. Mais Ifrit, je savais déjà, vu que je lui ai cassé la gueule. Voilà, mais au revoir. Ok. Bon alors ça c'est fait. Maintenant, oui, il y a là. Donc nouvelle grille d'Anya en... Ouais, normalement ça sera l'IMSA, mais bon. Mais il y a des doubleurs, il y a des doubleurs connus hein, là dans le jeu. Ah, nous y voilà, magnifique dôme, le chapiteau, c'est parti pour Guignol. Mon fils est mort sur le champ. Les trois oracles sont réunis. C'était une bataille effroyable. Oh là là, c'est la belle société. Ah oui, non, elle était mignonne, l'histoire, mais elle était casse-couille. Remonte à plus de 5 siècles. Ouais. D'abord rejetés par les esprits de la forêt, nos ancêtres ont dû se résoudre à vivre une existence recluse sous terre. Après de longues années à tenter d'établir un contact, ils sont finalement parvenus à obtenir l'autorisation de s'installer dans la Sylve des 12. Guidés par les esprits, les Iyur et les Elezen ont bâti les fondements de cette nation en travaillant main dans la main. Au fil du temps, des gens de toutes les races les ont rejoints. Cette harmonie et cette unité sont les graines qui, arrosées par la grâce de Nofika, ont permis à Gridania de s'épanouir et de devenir un magnifique Éden. Regardez le drapeau derrière Khan et Senna. Les deux serpents blancs qui s'entrelacent représentent l'unité entre les Yur et les Elezen. C'est un symbole fort de l'histoire du peuple Gridania. Conformément à la volonté des esprits, nous avons adopté un mode de vie proche de la nature. Hélas, nos voisins ne partageaient pas ce désir de paix. Nous autres, Gridaniens, sommes un peuple pacifique. Mais nous ne tremblons pas face à l'agresseur. Nous avons toujours combattu pour protéger la sacralité de la Sylve des 12.
Lorsque l'Empire de Garlemald a montré ses ambitions conquérantes, nous nous sommes ralliés sous la bannière de l'Ordre des Deux Vipères afin de pouvoir faire face à l'envahisseur. Nous avons ensuite ouvert la voie aux négociations qui ont permis la restauration de l'Alliance Eorzéenne afin que le peuple d'Eorzéa puisse faire front commun contre l'ennemi. C'est pas la lumière qui la met la plus en valeur. Les soldats de l'Alliance ont livré un terrible combat contre les Impériaux sur la plaine de Carteno il y a 5 ans. Cette bataille s'est avérée l'une des plus sanglantes de notre histoire. De nombreux Gridaniens ont perdu la vie ce jour-là. Ah non mais Concarneau, si c'est pour me casser les couilles avec Concarneau encore... Je m'en veux énormément, car en tant que chef de l'Ordre des Deux Vipères, j'estime avoir une grande part de responsabilité dans tout cela. Et la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le fléau qui a suivi la bataille a profondément meurtri la forêt. Aujourd'hui encore, la sylve porte les stigmates de la catastrophe. Le chaos s'est installé là où jadis l'harmonie régnait. Nos vies ont été irrémédiablement changées, et chaque jour est une lutte pour survivre. Face au désespoir de leur situation, certains se sont écartés du droit chemin pour se tourner vers le banditisme ou le braconnage. Pour aggraver le tout, les Ixalis sont revenus en force, galvanisés par la destruction. Ils terrorisent nos citoyens et pillent la sylve sans vergogne pour irriter les esprits. Notre mère patrie est plus que jamais menacée. C'est vrai que les flèches divines sont débordées! Les vigiles sombres sont constamment sur le qui-vive. Il y a 5 ans, jour pour jour, nos frères et nos sœurs se sont sacrifiés pour une Eorzéa libre. Puissions-nous rendre hommage à leur mémoire. La plupart des gens n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne vois pas comment ils pourraient honorer la mémoire de quiconque. Putain, incroyable, Alizée qui parle. Ils sont très critiques, hein, Asselineau et Alizée. Le conflit qui nous oppose à l'Empire de Garlemald n'est pas encore terminé. Bon, ok, c'est chiant, hein. Et nos maisons. L'ennemi renforce sa présence sur notre sol, allant jusqu'à bâtir une forteresse d'acier. Les Garlemaldais restent la plus grosse menace pour notre avenir. Notre seule chance de nous en débarrasser une fois pour toutes, c'est de nous unir à nouveau. Parce que bon, ils ont un village sympathique, très joli, très champêtre. Mais c'est vrai qu'ils ont le charisme d'huître morte. Il est facile de perdre de vue notre unité en cette période de trouble. Mais l'unité est justement ce qui définit les Gridaniens. Nous sommes réunis ici pour célébrer les valeureux soldats morts au combat. Qu'ils soient honorés par nos mots et nos pensées, mais aussi par nos actions. Gridaniens, Gridaniennes, okay. Rassemblons-nous à nouveau sous l'étendard de l'Ordre. Et tous ensemble, rendons à la sylve sa splendeur d'antan, okay. Pour le bien de... Bravo! C'était nul. Ouais. C'était nul. La gueule. C'était nul. Merci. Merci. C'était nul. Autant l'autre, il en faisait des caisses, mais au moins, on pouvait en rire. Là, c'était vraiment chiant. Hein. Zéro. Zéro. Votre peuple, il mérite de crever. Voilà. Alors. Il nous reste. Oui, bien sûr. Salominsa. Non, le discours de la capitale était marrant, parce que l'autre, quand fait des caisses, possédé, c'est même plus ce qu'il dit. Apporter la sultane comme un perroquet, là, bon, c'est marrant, on rigole, il y a un aspect spectacle, son et lumière, quoi. Là, c'était vraiment le vide. Hein. Bon, alors là, ça va peut-être être une approche plus militaire, hein, avec l'amiral.
T'es pas là pour enfiler des perles normalement. Hein. Allez, c'est parti. Est-ce que l'amiral a... elle va nous donner envie de voter pour elle? Sans elle, nous étions perdus. N'empêche que l'accord Galadion n'a servi à rien. Et mon bateau a coulé comme un bloc. Écoute-moi, ô fier peuple de la mer. Vois notre glorieux pavillon écarlate flotter au vent. Ouais ! Voilà 7 siècles que le Galadion, navire fondateur de notre cité, s'est échoué sur ses rives. Guidé par Limlaen, ce modeste village de pêcheurs s'est rapidement développé en une puissante thalassocratie, dont le nom seul fait trembler les chines des couards, dans les 5 mers éorzéennes et au-delà. Ouais ! Merluib ! Hein ? Ah oui. Vous voyez le drapeau derrière l'amiral Merluib ? La couleur rouge représente le sang des compatriotes tombés au combat. Tandis que le drakkar noir représente un navire pirate. Nous avons formé notre grande compagnie, le Maelstrom, en réponse à l'invasion des Orzea par l'Empire de Garlemald. Et avec la signature de l'accord Galadion, nous avons combattu côte à côte avec Ilfir et ses pirates contre l'oppresseur lors de la bataille de Cartenau. Ce jour-là, le monde a été témoin de la puissance de l'immense nef de guerre qu'est l'Imsa Lominsa. Mais bien que nous ayons lutté avec courage et férocité, beaucoup des nôtres ont péri. Prenons un moment pour rendre hommage à nos frères et sœurs qui sont tombés au nom de la liberté, loin des rivages de... Salut. La liberté. Les hommes sont décidément bien égoïstes. Mais j'imagine qu'il en va de même pour les tribus barbares. Après tout, seule l'apparence différencie les hommes et les hommes bêtes. Durant ces 5 longues années, nous nous sommes affairés à la reconstruction du pays. Certes, les stigmates du fléau sont encore visibles. Certes, la douleur est toujours présente. Mais quand je contemple l'Imsa Lominsa aujourd'hui, je vois un esprit immortel. Je vois un galion qui a surgi de sa propre épave pour naviguer plus rapidement et plus fièrement que jamais. Hélas, il y a des individus qui voudraient voir notre beau navire envoyé par le fond. Ok. Les Sawagin ont fini par sortir des profondeurs pour conquérir la terre ferme. Bon, elle y met de la conviction, c'est quand même mieux que Gridania, hein, mais... Sans merde. Quoi ? C'est pas les Sawagin ? Et ce n'est pas tout. Les kobolds ont quitté leur mine d'Ogomoro et ils descendent lentement mais sûrement vers le sud. Ces tribus barbares seront les premières vagues à venir s'écraser sur notre embarcation. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans le sillage de cette situation explosive se cache l'ouragan de la menace impériale. Les Garlemaldais ont construit une forteresse à l'intérieur de notre territoire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne passent à l'offensive. Nous sommes assaillis à bâbord, à tribord et à la poupe. Cependant, comment pouvons-nous espérer repousser nos ennemis alors que les querelles nous divisent? Si nous ne changeons pas de cap rapidement, nous courons droit au naufrage. Il n'y a qu'une seule solution pour échapper à la tempête qui sévit actuellement. Une solution qui nous permettra de vaincre les tribus barbares, de bouter l'Empire hors de nos terres et de guider ce vaisseau qui est le nôtre à bon port. Nous devons colmater la brèche qui s'est créée entre le Maelstrom et les pirates après le fléau et unir nos forces avec nos alliés aventuriers pour dompter notre destin. La traversée sera ardue et il nous sera difficile de maintenir le cap sans dévier, mais nous devons tenir bon la barre. Camarades,
Rassemblons-nous sous notre bannière écarlate et joignons nos forces, nos techniques, nos savoirs. D'ailleurs, ensemble, nous pourrons surmonter tous les obstacles. Pour Eorzea, pour le Maelstrom et pour tous les Limcéens. Vive l'amiral Merlwib! L'Empire n'a qu'à bien se tenir! Le sang va couler! Ah. Tu peux compter sur moi, Merlwib! Ok, ils m'ont convaincu, je vais en rejoindre aucun. Nos chemins se croisent de nouveau. Je vais en rejoindre aucun, qu'ils aillent tous crever. Alors, l'éloquence de la Dame d'Acier vous a-t-elle fait grande impression ? Ta gueule ! Bien sûr, bien sûr. Ah non mais... Il faut que je retourne là. Oh là là. Non mais attendez, du coup... Putain mais quelle vie. Je peux pas avoir des montures si je rejoins pas un de ces, une de ces conneries. Ces conneries. Je peux utiliser un authentificateur. Mais Grisania, la ville est stylée, mais ils ressemblent tous à des espèces de consanguins insulaires. Et la meuf, elle a deux de tension, quoi. Non, mais ensuite, c'est vrai que l'amiral avec l'IMSA, ça donne un peu... Mais moi, en vrai, je pense que je vais prendre la capitale, hein. Je vais pas me casser les couilles. Hein. C'est l'IMSA, le MINSA, TP chez les Arcanistes, parler au Skipper. Ah, pour retourner au refuge des sables. Bon, tant pis. D'accord. L'IMSA, TP Arcanistes, parler au Skipper. Ouah, Gaïa BZH, la femme lapine. Je vais y retourner très souvent, ouais. Ah, ça y est, t'as ta monture, bien joué. Je me demande dans quelle grande compagnie notre camarade va s'enrôler. Mais peu importe son choix. La roue du destin est déjà en mouvement. Alfino, ne me dis pas que tu es satisfait de ce qui a été dit. Oh là là. Peux-tu préciser le fond de ta pensée? Ces soi-disant cérémonies de commémoration n'étaient rien de plus que des exercices de propagande. Oh là. Aucun des dirigeants n'a réellement cherché à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Tous se sont contentés de faire de la langue de bois.
C'est vrai que l'on a entendu toutes sortes de balivernes. Mais tu as dû aussi remarquer que ni Roban, ni Kanesena, ni Merluib n'ont évoqué les guerriers de la lumière. Ne trouves-tu pas cela étrange? Ce sont pourtant eux les véritables héros qui ont sauvé Eorzea du septième fléau. Je peux me tromper, mais je pense qu'ils ont volontairement omis d'en faire mention pour renforcer le sentiment d'appartenance et accroître la capacité de mobilisation. Le fléau a profondément marqué Eorzea. Et si la reconstruction des cités-états a permis aux populations de retrouver un semblant de vie normale, les plaies sont encore béantes. La menace continuelle des tribus barbares et des primordiaux ne facilite guère la cicatrisation. Mais les grandes compagnies et les héritiers de la septième aube sont la panacée qui permettra de combattre cette affliction. Le futur ne se construit pas sur les ruines du passé. Pour que notre monde puisse guérir, nous devons tourner la page du fléau et mettre ces tragiques événements derrière nous. Okay. Notre grand-père n'aurait jamais confié le sort d'Eorzea aux mains de personnes qui réécrivent l'histoire à leur convenance. Ta gueule! Il y a une autre façon de guérir les maux dont souffre le monde. Et je la trouverai. Ok. Même si nos méthodes sont différentes, nous poursuivons, toi et moi, le même but. Gageons que nos chemins se rencontreront à nouveau. Ok. On verra bien. Ouais. On verra, ouais. Attendez! Revenez! Nos routes finiront forcément par se croiser, ma chère sœur. Nous n'avons pas le choix. Tel est notre destin. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Soigner les blessures du passé permet d'effacer les mauvais souvenirs, mais aussi de vivre pleinement le présent. Incroyable. Oh merde! C'est vrai que lui, c'est un frère de sang. Non, mais en gros, Maelstrom, oui, l'amiral, c'est rigolo. Les deux vipères, plutôt crevés. Non, mais c'est bon, hop. Capital, rien à foutre, voilà. Ouais, c'est très bien, ouais. Alors. Mais c'est nul tout ça. D'accord. Ouais. Et puis en plus, voilà, c'est Hulda, c'est facile, c'est la maison. C'est la maison. Je peux avoir la monture maintenant. Dès maintenant, ça y est. Incroyable. Putain, niveau 20. C'est censé être niveau 20, quoi. Je suis niveau 31, c'est terrible. Mortel avec toutes les traîtrises qui arrivent. Ah, merci pour le spoil. Alors. Tiens, d'ailleurs, hop. On va arrêter de time out 24 heures, on va faire ça bien maintenant.
comprendrez que nous n'avons pas le temps à perdre en formalité. Les immortels ont besoin de votre aide immédiatement. Oui. Je vais trouver l'aéronef. J'ai un suivi. J'ai rien eu le temps de suivre. Merci. Alors. Ah non. Ah, ça me parle beaucoup d'aléas, on va voir. Na 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 na. Na 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 na. Oh non, il y avait rien. J'ai juste eu un spoil. J'ai failli ban 24 heures, puis j'ai compris en fait. Le problème, c'est que si on banne trop souvent 24 heures, les gens ils vont se dire bon bah si je peux dire de la merde, au pire ça sera que 24 heures. Donc non, évidemment. Il faut bannir directement. Il y aura des injustices. Il y aura des gens qui chialeront. Il y aura des familles brisées, des gens qui chialeront. Des gens qui m'enverront des emails après. En étant persuadé que je vais le lire. Mais c'est ce qu'il faut. Hein. C'est terrible. Qu'est-ce qui lui arrive lui là? Ah merde, j'allais faire la quête mais je suis attaqué par des moucherons. Je vais me faire hâte sur Twitter. Je regarde plus trop les notifs. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Bon, le souci c'est que je stream. Parce qu'en fait, enlever les réseaux sociaux de sa vie, c'est très positif. Le problème c'est que moi je suis baisé parce que mon activité c'est d'être public. Donc c'est de la baise. C'est contre-productif. Mais c'est pour ça que le plan de devenir comme Lyric, streamer populaire sans webcam, avec 3-4 personnes qui se relayent, une entreprise bien rodée avec 5 salariés en CDI. Ça se tient. Hein. Alors... Vous êtes bien l'ingénieur des forces de Garlon, n'est-ce pas? Allez doux, sois loué, vous êtes vivant! Nous appartenons aux immortels et nous sommes venus vous porter secours. Tu dois être Podrick Balkany, merci d'être venu jusqu'ici. Je peux retourner au quartier général des immortels, on s'occupe du reste. Quoi? Je suis juste venu pour sucer. Pour sucer leur derrière. Ah, si, de ce traître avec des airships. La technologie Magitech qui permet de faire voler les aéronefs a été créée par les Garlem Alde. Et si les Orzeas en profitent aujourd'hui, c'est uniquement parce que ce chien infidèle nous l'a volé. Cet appareil nous revient de droit. Préparez-vous à le désassembler. N'oubliez pas de capturer le technicien qui se cache à l'intérieur. Il pourra nous être utile. Il doit s'agir d'une patrouille d'éclaireurs en provenance de Castrum Mediterranium. On dirait qu'ils ont l'intention de démonter l'aéronef. Vous devez sauver mon ami Wedge. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir et se cache à bord du Tiny Bronco. Ah oui, on est en full référence là. Hein. Ça a dû... Hein.
Ça a dû frémir dans ses couches, du côté des fans. C'est le premier aéronef à être fabriqué en Eorzea depuis que Sid, le directeur des forges de Garland, a disparu. Wedge et moi avons galéré pendant 5 ans pour le construire. Aujourd'hui, c'était notre premier vol d'essai. Tout se passait merveilleusement bien jusqu'à ce que ces abrutis d'Imperio nous tirent dessus. Je vois. Il faut à tout prix empêcher que ce fleuron de la technologie eorzéenne ne tombe entre les mains de l'Empire et sauver l'ingénieur des forges de Garland. On peut compter sur ton aide, Podrick Balkany. Et bien sûr. Bien sûr. Envoyez la racaille impériale dans les 7 enfers. Na 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 na. On nous était qu'aux armes. Cette banane virevoltante. Tout de suite ça. Ça amplifie la... la dramaturgie du combat. Ok. C'est insane. Ah merde, putain, je suis nerfé, j'essaie encore de mettre mon AOE, et évidemment ça ne fonctionne pas. Je suis encore en train de m'acharner sur la seule qui a 12 000 points de vie. Je m'en fous, c'est ma nouvelle technique. Nana. Pleure pas, tata. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort cette merde? C'est bien normal ça? Voilà, attendez. Je termine quand même d'abord de niquer les sbires. On était sur les sbires, restons sur les sbires un petit peu, s'il vous plaît, de grâce. Oh, le gladiateur des immortels, il va mourir. Ah, en plus, ça prenait 2 secondes pour les tuer. Ah ouais, les archers, c'était gratos. Je m'en veux. J'espère qu'il me pardonnera un jour. De l'au-delà. Ça y est, il est mort. Quasiment. Dites-lui de me pardonner. Un jour. Oh, les immortels, quoi. Ils vont mourir. Les immortels, ils sont morts. Terrible quand même. Aïe aïe aïe, l'occultiste qui tombe. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi j'ai pas mis le E, idiot? D'accord. Je vais pas m'énerver. Mais casse-couille, man. C'est anecdotique. Na na na. Ça va, tu n'as rien, Wedge? Oh, j'ai eu si peur. T'es sain et sauf, c'est le principal. Et sinon, t'en penses quoi? Tu crois qu'il peut voler? Les pales de propulsion hier sont mortes, mais si on redistribue toute l'énergie sur les pales principales, ils devraient pouvoir voler à peu près normalement. Bon, on va rafistoler le Tiny Bronco et repartir directement.
Eh bien, nous allons patrouiller le secteur pendant que vous travaillez. Les impériaux que nous avons affrontés n'étaient que des éclaireurs. J'ignore s'ils ont eu le temps d'appeler des renforts, mais même si c'est le cas, ils ne devraient pas arriver avant un bon moment. Vous devriez rentrer, Podrick. Vous avez quelques formalités à remplir, je me trompe? Vous n'êtes pas encore tout à fait un immortel, du moins sur le papier. En vérité, vous avez prouvé que vous êtes des nôtres. Désolé d'avoir mis ta parole en doute tout à l'heure, mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. En tout cas, Wedge et moi, te devons une fière chandelle. Merci infiniment. Et la politesse, alors? Merci de nous avoir aidés, aventuriers. Bande de petits bâtards. Bande de petits bâtards. Quoi, mon rapatriement, c'est dans... Ah oui, c'est 900 secondes la recharge. Ah, les petits bâtards. Est-ce que je peux vraiment me permettre de dépenser 192 gold? Allez. Ah, Métine 2. Putain, je me souviens de Métine 2. J'avais un pote qui avait joué, du coup, j'ai fait, bon, vas-y, on va essayer. J'avais pas joué longtemps. Hein. Métine 2, c'était bien ça, l'espèce de MMO vide où on jouait des samouraïs et des machins, là, non? Ah, yes. Et gratuit. Je me souviens. De toute façon, les gens y avaient joué parce que c'était gratuit. Hein. Vous êtes vraiment un phénomène à remplir avec brio une mission pour nous avant même de nous avoir prêté allégeance. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est quand que j'ai le droit à ma monture? Êtes-vous prêt, Podrick? Alors commençons. Podrick Balkany, vous êtes sur le point d'endosser une responsabilité sacrée. Les immortels ont été créés pour faire face aux ennemis d'Ulda. Nous avons combattu les barbares, les impériaux et pire encore, la racaille communiste. Mais même le fléau n'a pas pu nous mettre à genoux. Nous nous tenons toujours debout. Et nous continuons à nous battre, selon la volonté de notre général et pour la prospérité de notre cité. Pour nous rejoindre, vous devez rejeter toute autre allégeance et jurer de servir notre nation. Soyez les nôtres et ensemble, nous œuvrerons pour l'avenir d'Ulda. Prêteriez-vous serment, Podrick Balkany? Je suis aussi un aventurier. Ça veut rien dire. Je suis aussi un aventurier. Ce n'est pas incompatible. Les aventuriers apprennent beaucoup au cours de leur voyage et ces connaissances nous sont souvent utiles. Les immortels vous accueillent avec joie, soldat 3e classe Balkany. Puissiez-vous toujours servir notre cause. Oh putain, des grands yeux quoi. Il ressemble à Johnny quand même. Hein. Et c'est pas que la banane. Allô, tu m'entends, Podrick? C'est moi, Minfia. L'officier des immortels m'a prévenu par ligne perle. Il paraît que tu t'es engagé auprès de la grande compagnie ulienne. Félicitations. Dis, tu pourrais passer au refuge des sables? Il y a des gens que j'aimerais te présenter. Livraison disponible. Et les montures. Ah, chacun sa monture. Oh putain.
À chacun sa monture, bordel de merde. Salutations, j'ai la troisième classe. Oui. Donne-moi une licence Chocobo des Immortels. Officier de la logistique. Sa race de Seymour. Hein? Oui, il faut que j'aille à... Oui, d'accord. Mais attends, il y a un truc que j'ai pas suivi. Ça va pas marcher parce qu'il me faut un truc? Je vais pas m'énerver. Ah, ça coûte des trucs de, des sceaux de l'immortel de ses morts. Ah. Ah. En échange de sceaux de compagnie, mais qui? Pourquoi on me montre ça directement? C'est à qui que je dois parler? Quel officier de la logistique? Nick! Ok, ok, ok. Oui, bien sûr. Bonsoir. Ah oui, mais je fais pas partie d'une compagnie libre. Mais je m'en fous. Voilà, hop. Alors. Ah, j'ai zéro rang. Non, mais je m'en fous. Que je dois acheter, ça s'appelle quoi déjà? Une licence Chocobo. Ah, c'est ça. Donc il me faut des sceaux. Et donc, comment j'ai des sceaux ou comment j'en arnaque? En leur donnant du stuff à moi? M'énerver, c'est pas mon genre. Et là, je peux pas vendre directement les trucs. Ah oui, mais saut de compagnie 1438 si je fais son truc. Oh mais c'est génial. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, d'accord, c'est passionnant. C'est passionnant. Merde. L'antre des loups. Non harmonisé. Quoi? À l'autre bout du monde. Na na na. L'officier du personnel, mission de ravitaillement. Ah, bah tant pis, je me suis fait baiser. Non mais moi j'aime bien me compliquer la vie, vous savez. Il va débloquer le carnet d'objectifs qui donne de XP hebdo à l'IMSA, l'OMINSA. Oh là là.
Je sais pas de quoi vous me parlez, mais vous avez l'air convaincu en tout cas. Et ça fait plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire. C'est faux. Merci à tous. Merci Capitaine Salty pour le Prime. C'est fatiguant, un troll depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est comment déjà? Merde. C'est comment qu'on voit ce qu'a marqué quelqu'un dans le chat tout du long? Ah merde. Si Azu est là, ah putain, j'oublie tout le temps. La commande c'est slash. Ah! Card! C'est card, non? Voir la carte de la personne. Ah, je vais vous montrer ça parce que c'est fascinant. Yeah, on voit card. Si c'est ça, c'est passionnant. Et pourquoi ça marche pas? Unrecognize command card. Bah pourquoi? C'est ouf. C'est ouf. Très bien. Ah oui, sinon faut juste pop out sur quelqu'un et puis c'est plus. Ah mais je l'avais fait, ok. Ah c'est quoi? Alors, regarde, c'est ça qui est génial, voilà, juste faire un pop-out vous permet de voir la contribution de quelqu'un à un chat, par exemple. Alors, 2h55, Snow Gaming nous indique, il est chiant ce jeu. Donc déjà, là, faute. Faute de ma part. Faute, dès ce moment-là, on savait qu'il y avait un souci, en fait. On savait qu'il y avait un problème et que son inutilité n'était plus approuvée. Bon, bref. À 2h55, Snow Gaming enchaîne avec « Ils sont tous chiants dans ce jeu ». Bon, on passera évidemment sur le fait que « chiant » n'est pas accordé au pluriel et que le commentaire est inutile et en plus se termine avec un smiley XD qui nous ramène aux heures les plus sombres de l'histoire. D'accord. Go les baïonner et les brûler. Alors pourquoi baïonner avec E accent aigu et brûler ER? Au bout d'un moment, faut être cohérent. Là, la cohérence, il n'y en a aucune. Spoil, ce jeu est chiant. Ah non, tout le monde le sait. Donc là, c'est terrible. C'est vraiment l'enfant de 15 ans qui déclare au nom de tout le monde que c'est chiant. Le fameux OSEF. C'est la OSEF génération. Ça n'existe pas aux yeux des fans FF. Il y a bien des petits jeux indés qui surpassent FF. T'es un rigolo, toi. Non, genre Ori. Monster Hunter, bande de cons. Ah, mais on a vraiment affaire à un gogol, en fait. Bon, c'est bien, tu nous as fait rire. Ban, donc. Ça marche pas? Bon. Ban Snow Gaming. Voilà. Ah, c'est pas mal. Non, mais en fait, ça, c'est vraiment ce qui manquait à l'époque. C'est que à part si on loguait sur IRC et compagnie, on pouvait pas voir vraiment tout ce qu'avait dit la personne récemment. Et donc, établir, se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Et là, on voit que c'est une catastrophe de bout en bout. Y a rien à sauver, quoi. C'est de la merde en barquette du début à la fin. Ok. Ah mais zut, alors! Moi, je voulais sortir de la ville. Ok. Attendez, je croyais que je pouvais sortir à... Ah mais non, pas du tout. C'est prendre... Vertanalan. Moi, je croyais que... Ah, il faut suivre toutes les routes commerciales de ces morts. Le chantier naval de Morabi. Je vais pas m'énerver. Donc ça, ça nous emmènerait à... En fait, j'en ai rien à foutre d'être ici. Je vais aller à la baie des Vêpres. Voilà pourquoi il fallait faire une aléa. Non mais nous on voyage. On aime le voyage.
On a des bottes qui ont tout logué depuis des années. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Ah, mais c'est pas mal aussi. Les bottes. Les bottes. Qui loguent sur des années. Ah, mais putain, d'accord. C'était ça dont on me parlait. Le fameux truc pour aller vite. Ici. Ah, mais bien sûr. En partant de l'IMSA à l'IMSA Monsby. Énorme. Ouais, sauf que là, c'est pas ça dont j'ai envie. Je voulais aller entre des loups. Enfin, je voulais faire cette quête de mort. Mais on va abandonner. Bah finalement, je vais prendre la quête d'épopée. Oui, mais la quête d'épopée va pas me donner... Va pas me donner de trucs pour la mission. Donc j'en ai plein le cul. Attendez. Du coup, masse, il faut que je retourne... Je retourne à Hulda, et là je fais une mission de ravitaillement, là, ce que vous me disiez. La quête d'épopée en donne ? Mais ma vie c'est de la merde ! Je vais pas m'énerver. Fais le carnet d'objectifs pour les sauts. Mais quel carnet d'objectifs ? Si c'est PVP. Oh. 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 Mais où vais-je? Ah non, mais oui, c'est ça. Les immortels de Seymour. Faut appuyer sur B et faire le carnet. Débloque ton carnet d'objectifs. Bah voilà, mais... B, pugiliste. Les immortels. Ah, mais il suffit juste de se taper des vieux trucs pourris. Mais pourquoi ça me dit rien, tous ces noms de monstres? Est-ce que je peux les avoir sur la map? Ça me dit rien, ça. Ah, Talalan Oriental. Faire un ravitaillement, c'est juste vendre un objet. J'ai pas m'énerver. J'effectue une mission de ravitaillement. Hein? Toutes les livraisons du jour sont terminées. De guerre. Voilà, il me... Je sens que les gens veulent m'aider, mais je sens que ça me casse les couilles. Je sens bien que c'est ça. Non, mais ça va... Ça veut pas, là. Ça ne marchera pas, hein. Ouais, voilà. En fait, c'est parce que je suis pas sergent encore. Le Tanalan Oriental. Alors, je connais le Tanalan Oriental. Et vous inquiétez pas, hein, je connais la carte comme si je l'avais chié. C'est faux. Beaucoup de gens me demandent où se trouve le Tanalan Oriental. Bah, c'est très simple, il est là. Il suffit de me transporter vers le camp des eaux desséchées. Et je vais... le plan cul. Tout ça... Putain, stream une heure et demie de plus. Tout ça pour les montures. Alors j'en avais plein le cul. Alors moi je vais vous montrer comment ça se passe. Non mais oui, faire la quête l'île des loups, c'est ce que je voulais faire, mais en fait, j'y comprends que dalle. J'y comprends que dalle où c'est l'île des loups. Non mais vous inquiétez pas. On va se taper un petit bestiaire. Un petit bestiaire de Seymour. Ça, c'est cadeau. Hein. C'est pour vous que je fais ça. Voilà, je suis dans le Tanalan Oriental.
normalement, donc, il y aura des bêtes qui vont avoir une icône de quête au-dessus. Car nous allons compléter notre bestiaire. Merci à tous d'avoir cru en moi. Alors, eux n'en font pas partie, mais pas de panique, c'est imminent. Non mais je suis dans le Tanalan oriental, faut arrêter les conneries quoi. Ah mais non mais eux ça n'a rien à voir. Ah non. Les deux seuls qui sont dans l'oriental c'est le Alatali. Non c'est... Ah oui non mais... Le seuil de sable Alatali. Ah oui d'accord. C'est à dire que ça c'est de la merde. Le seuil de sable c'est en bas. D'accord. Et dans le seuil de sable je cherche le chasseur Amalja. Oui, bien sûr, mais ils seront pas niveau 35. Si, tout à l'heure, ils étaient niveau 35 et ma vie, c'était de la merde. La réponse dans quelques instants. 100% ma vie, c'est de la merde. C'est parti. Je peux faire des aléas. Ah, parce que les aléas me donnent... Tout le monde parle d'aléas. Les aléas me donnent des trucs de quête. Enfin, de guild. Enfin, de machin. Ah bah éclaireur des immortels, ah bah c'est parfait. Ouais. Allez, j'aide les immortels. Ah bah voilà, c'est réglé. En plus là c'est un javelinier, mais si jamais j'ai le chasseur qui arrive, c'est garanti. Mais qu'est-ce qu'il me fait ce con? Mais synchronise-toi là, fais un truc. Voilà. Pourquoi je peux taper une caisse? Je veux taper une caisse. Je peux me faire du pognon? Je vais taper une caisse. Insane. Mais pourquoi il y a que des javeliniers? Ils sont où les chasseurs? Ah voilà, chasseur! Pour mon bestiaire! It's for my bestiaire! Il est mort l'autre con déjà? Le petit qui m'accompagnait, il est mort? Ah là, il y a... Ah là là, c'est incroyable. Quelle optimisation. C'est très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Bon alors, je comprends pas cette histoire de caisse de ravitaillement, mais on y va, hein. Moi je suis joueur. Mais c'est alors, il y a Lin Lin qui s'incruste. C'est incroyable cette histoire. Je suis en train de faire la quête où on est capturé par les Amalja et je dois tag pour un groupe random. Pas moyen de bouger tant qu'on n'a pas de groupe. Bah c'est ce que je me demandais tout à l'heure. A priori t'es dans la baise. Ah mais c'est bon, j'ai déjà fait la quête nulle. Oh énorme. Quelle optimisation incroyable. Il se termine quand son aléa, by the way? Termine un jour. Ah, j'ai mes 200, mais j'ai quand même terminé l'aléa. Je suis pas un animal. My name is Jean-Pascal. C'est quand on a détruit toutes les caisses que ça se termine, ce merdier. Oh là là. Dernière caisse là. On me casse les couilles. Hein.
Non, faut juste leur casser la gueule, là, hein. C'est ça, c'est un timer, en fait. Je vais pas m'énerver, mais... Il y a un boss. Ah bah oui, Nagaz, là, c'est lui. Nazaga, mâchoire de quartz. Ok, let's go. Oh, je rêve où j'ai mis mon debuff sur l'autre con. Oh là là, ma vie est nulle. Ok. C'était vraiment très intéressant. Putain. C'est incroyable. Niveau 32. Ah oui, et comment je devenais... Pour devenir moine, c'est quoi? Merde, Razou. Merci pour les 1000 bitcoins, j'avais pas vu. Dédicace à notre poteau Snow Gaming. Ah non, mais laissez-le tranquille. Sa seule malchance à Snow Gaming, c'est qu'on l'ait laissé parler dans le chat. Hein. Si on avait été vigilant, ça aurait été réglé avant même sa deuxième phrase. Ok. Non, oui, mais tout à l'heure, les pugilistes... Comprenez bien. Tout à l'heure, c'était bloqué. Alors, voilà. Ah, maintenant, je sais plus quoi faire tellement j'en ai. Non, c'est faux. Alors... Voilà. Trois quêtes épopées, alors ça ne s'arrête jamais. Mmh. Ah merde, j'ai déjà pas... Non, c'est bon. Oui. Incroyable. Quelle tête de cul. C'est bon. Ah. Oiseau phoque. Ok. Prends la quête. Ah oui, moi j'étais trop excité. J'étais trop excité. Moi je voulais tout de suite me barrer à dos de monture random. Oh là là, c'est long, hein. Ah mais c'est tout de suite là. Faut reparler à Mimi. Ok. Ah il aime bien oiseau phoque. Bah très bien. Et là c'est bon. Oh là là.
C'est incroyable. Quel charisme incroyable. Écoute-moi pendant 10 secondes. Que se passe-t-il ? Oui, oui, oui. Débloque ton carnet d'objectifs. Ah, c'est ça ? Ah, mais genre, faut que j'ouvre tout. Ah bah non. Mais ça, j'avais commencé déjà. C'est des bestiaires. Ah non, c'est pas ça. Oh là là. C'est... Ah, faut se taper. Ah oui, mais c'est ce que les gens me disaient à l'IMSA, il faut faire ça. Non, d'accord, je vais faire ça. Mais d'abord, je vais tester des montures. Bon, est-ce que... C'est un cadeau quand même, je vais pas le revendre 30 millions. Attention, c'est parti pour le trigger. Oh putain. Il y a eu feinte de trigger parce que je pouvais pas utiliser sur une monture. C'est pas parce que ça vaut 30 millions de gilles que je vais le revendre. Et paf, chais. Merci pour le cadeau. Ça c'est du méga chais ça. Attends, zut. Oui oui, on s'en fout. Attendez. Alors c'est quoi? C'est Granny? Ah non, c'est le Pégase des Ténèbres, c'est ça? Ah, c'est vrai qu'il est tout claqué, hein. J'aurais mieux fait de le vendre 30 millions. Hein. Même si c'était un cadeau. Hein. Non mais c'est pas grave, hein. c'est pour le beau jeu. Quoi qu'il y ait une belle synergie avec le skin de... Avec le skin de Podrick Balkany, regardez. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Parce que voilà, ils sont un peu... Il y a une synergie. Il est un peu Jeanne Masse, il est en rouge et noir dans l'esprit. Podrick. Et ce Pégase est rouge et noir également. Donc ils ont un lien terrible. Et puis ouais, cette crinière, ça, la pilosité de ce Pégase n'est pas sans rappeler la banane de Podrick. Non non, c'est génial. Finalement, surtout comme ça, c'est pas ridicule du tout. C'est bon. Ça valait ses 30 millions. Ok. Oui, sinon il y avait... Alors la chaise, là. Tout le monde m'a vendu la chaise. Ah, c'est incroyable, c'est vrai que c'est incroyable aussi. Hein. C'est magique. Merde. Pourquoi on voit plus le jeu ? What ? Ah oui, d'accord, je sais pourquoi. Ok. Ouais, la chaise, c'est pas mal, hein. On va le mettre également là.
Putain, mais maintenant je peux plus le vendre parce que je l'ai utilisé. Vend code audio pour Pégase, nos arnaques, nos noobs. Oui, donc faut que j'aille à l'IMSER. C'est où déjà? Attention, attendez, je le sais. Je le sais. Je connais ce jeu comme si je l'avais chié. Ah non, non, Lynn va essayer de me spoil alors que je le sais tout à fait. La Nocea Centrale, l'IMSA, le MINSA, voilà. Je connais le jeu comme si je l'avais chié. Faut arrêter un peu. Ah, Adrien. Salutations, Adrien. Putain, tu loupes des choses, hein. On m'a fait des cadeaux, les gens m'ont fait des cadeaux. J'ai des montures qui coûtent 30 millions dans le jeu. Et elles sont moches. Je te spoil que dalle, ramène-toi sur moi. Ah non, mais... ça me spoil, là. J'ai réussi le puzzle jump. Ah, je suis pas retourné à Kurogane encore. J'espère que tu apprécies le charisme de mon personnage. Regarde l'animation de la banane, c'est édifiant. Ah. Voilà, il faut que je trouve... Bon, je vais rentrer dans le groupe de Limlin. Et normalement, je pourrais la visionner sur la map. C'est immonde, mais c'est drôle. Éthérite, guilde des aventuriers, bah voilà. Les poutres de métal du puzzle jump. Ah putain, mais Adrien, alors je sais pas. Toi qui adore le lore, en fait, c'est très impressionnant. Hein. Parce que là, je suis sur le début de la première extension, hein, enfin Realm Reborn. Donc déjà, je me prends du lore à plus savoir qu'en foutre. Mais a priori, ce n'est que le début. Parce que après, il y a le deuxième, troisième DLC où là, on se prend tout le lore dans la gueule. Donc c'est toujours du lore et du lore. Et toujours plus de quêtes de lore. Je double tout. Alors dès que c'est pas doublé, je double tout. Ce qui est pas évident quand on a une engine. Pas évident. Le quartier général du Maelstrom. Ah, qu'on n'a pas pris, hein, finalement, qu'on a refusé. Mais il est où, le point bleu qui me dit? C'est une quête bleue qui me dit. Il est là. Ah, mais il y a plusieurs quêtes bleues, cependant. Ah oui, il est là. Regardez, Lynn. Bravo. Mmh. Toujours plus de lourd. Ah, c'est beau ici. Bon. Ah, Lynn est là. Oh, avec mon Shiba. Moi. Attendez, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est cette calomnie? Pourquoi il y a juste la clochette de Lynn et Lynn est invisible? Comment est-ce possible? Ah non, elle est là. Normalement, t'as une quête bleue. Bah quoi, il faut que je prenne la quête bleue. Un carnet oublié. Ah oui, c'est ça. Alors. Mince, demain, on dirait bien qu'il est déjà parti. Ah oui, c'est une femme chatte. C'est Mademoiselle Watteau-Chatte. Vous voulez savoir de qui je parle? C'est très simple. Un client a oublié ce carnet, il est parti à peine sa note réglée et sa shop finie.
Étant donné son usure avancée, j'ose croire que c'est pour lui un objet important. Dites, vous ne voudriez pas essayer de la retrouver pour moi ? Ta gueule ! Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un rogadine. Et qu'avant de s'en aller, il a échangé quelques mots avec Cantenin, un de nos habitués. Vous devriez peut-être commencer par l'interroger lui. D'accord, parlez à Cantenin. Il est où Cantenin ? Et tu connais le clitoris cantonais ? Ah, c'est là, il est là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu veux savoir où est parti le rogadine avec qui je causais tout à l'heure ? Et pourquoi exactement ? Ah, je vois, il a oublié ce carnet et tu veux le lui rendre. Écoute, il m'a dit qu'il y avait une affaire à régler au port aux Halles. J'imagine qu'il doit déjà être près des quais, devant l'escale du pêcheur. Ah, et son nom, c'est Wastlead. Oh, c'est, comme c'est un grand gaillard, même pour un rogadine, tu ne devrais pas le louper, à mon avis. Ah, comme moi, parce que moi, je suis un rogadine. Enfin, c'est ça. Moi, je confonds tout dans le jeu. Je sais rien. Mais j'ai pris la taille maximale, je fais 2m30, quoi. Donc... Il est où ? Il est au quai. Ah mais oui, je dois aller à la guilde des pêcheurs. La guilde des pêcheurs. Dernier conseil, fait Heavensward. Mon premier FF, c'est le 6. J'avais 7 ans et le 14. Niveau histoire, c'est le meilleur des FF. Donc drop pas. Ouais, ben, j'espère bien. Non mais, en fait, c'est audacieux. Parce qu'on le voit là sur Realm Reborn. Pour l'instant, en tout cas. Que on... C'est courageux en fait de nous balancer des milliards de trucs de lore avec des personnages qu'on ne connaît absolument pas et de balancer tant d'infos en fait dont on se carre le cul, on s'en contrefou en fait. Mais vu que ça force bien, vu que le jeu force à fond et qu'on sait qu'on va retrouver ces persos et qu'ils vont être développés sur plusieurs années, au final la sauce prend petit à petit. Ok. Alors. Escale du pêcheur. Realm Reborn, c'est de la grosse daube. Ah, c'est beaucoup. C'est du début de l'or, c'est ce que je disais, hein. Alors. Ah voilà, la bataille de Concarneau, je la connais comme si je l'avais chié maintenant. Oui, je sais, Warwalk, c'est le remake de... Enfin, c'est le reboot de Final Fantasy XIV fait par les devs chinois qui était un jeu honteux. Alors. Hop. Mais c'est mon carnet ! J'avais même pas remarqué que je l'avais plus ! Ouah ! Pourtant, je me suis pas trop bituré, je piche pas. En tout cas, merci, petit. Tiens, pour te remercier, je vais te dire ce que c'est. Il se trouve que je suis aventurier, et ça, c'est le carnet d'objectifs où je marque tous les trucs que j'ai réussi à accomplir. Mais dis-moi, t'es du métier, toi aussi, hein ? Comme t'as l'air d'avoir déjà pas mal de bouteilles, je vais t'en offrir un. J'y ai inscrit une liste de défis à relever pour progresser. Dis-toi que c'est un moyen de mettre du piment dans ton quotidien. D'ailleurs, lorsque tu remplis des objectifs, tu peux obtenir une ch'tite récompense auprès de la guilde des aventuriers. Moi, ça paye ma bière et c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que ces conneries ? Carnet du menu principal. Sa race de Seymour. La progression est réinitialisée chaque semaine. Ah oui, d'accord, c'est genre les weekly challenges, mais c'est toujours les mêmes et ils sont reset à chaque fois, donc c'est gratuit. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Mission aléatoire terminée à un total de donjons. 3 donjons en mission aléatoire. Terminé un total de 5 donjons. Ah ouais, d'accord. Ah. Attribuer 5 fois des honneurs à un équipier, c'est quoi ça? Ah oui, les aléas, d'accord. Pas mal. Oui, les mandats, artisanat et récolte par pitié. Ouais, c'est marrant. Ah d'accord, et ça s'adapte au niveau auquel t'es. Pas mal, pas mal, bravo. Bravo le veau. Not bad. Ah c'est vrai qu'on aurait pu bosser à l'IMSA, à le MINSA, hein. Cette ville est plutôt jolie. Qu'est-ce qu'il nous veut lui? La société de négoce de l'Edelweiss. C'est de l'habitat en bois. Mais oui, c'est moi, le fameux Podrick Balkany. Eh oui, je sais bien. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous voulez que je vous aide? Ah mais non, c'est pour rejoindre la guilde des surineurs et devenir plus tard un ninja. Non mais pour l'instant, touchez à votre cul. Ah j'avoue, un petit puzzle jump. À côté de là où j'ai pris la quête du carnet, il y a la quête du meilleur PNJ du jeu. Non mais là je vais arrêter, hein. Il est 4h du matin, je voulais arrêter il y a 1h30, on s'est fait engrainer pour enfin avoir nos montures. Ah j'ai quand même envie avant de terminer. J'ai quand même envie de rechevaucher ma monture à 30 millions quoi. Qui est si moche. Attendez ça quand même. Ça serait un crime. Ça serait un crime de pas le faire quand même. Dans 3 quêtes d'épopée, ah non, j'y vais là. J'ai chaud, là, je vais mourir. Mais regardez ça, vous êtes prêts? C'est très impressionnant, hein. Attention. 30 millions. 30 millions de Gilles. C'est parti. Incroyable. Ah non mais j'aurais dû le vendre, mais d'un autre côté, quel plaisir de pouvoir sauter en boucle et de rendre... Et de rendre le truc encore plus ridicule. C'est incroyable. Là, il n'y a pas de vol. C'est vraiment un gros délice. On se fait vraiment plaisir là sur les montures. Les emotes, on peut changer la pose de mon personnage sur la chaise. Ah. Ah oui, le truc que j'aimerais vraiment, c'est le serpent de Neo Exodus là, mais c'est vénère ça.
Mais attendez, j'ai encore des trucs à claquer, non? M'a filé plein de trucs. Des mascottes à l'infini. Celui-là il est abîmé. Donc celui-là je peux pas l'utiliser. Le papillon s'est craqué. Il vient de se cramer les cheveux en fumant sa clope car il s'est endormi, car il s'endort. Waouh, dur. Bon voilà. Franchement, j'ai mal pour YouTube si un jour je fais vraiment des highlights Twitch de ces streams. Incroyable. Final Fantasy XIV en 172 VOD. Ça sera peut-être le défi ultime et l'ultime défi de cette chaîne. C'est énorme. Non, il aura pas le Regalia. Non, comment ça? Le viewer YouTube aura mal. Bref, je vais y aller, je vais me reposer. Merci. Au revoir. Merci Barbituric et Enjoy pour les primes et les subs. Merci pour tous vos resubs. Au revoir. Bisous. Bisous. Zut. Yes.